Oh.
Lorsqu'on avait fait un débat, y a-t-il
Il m'a indexé le doigt sur la matière dans la serpente. Nous n'allons pas suivre ton enseignement. Ton enseignement. Voilà la mission église. La mission église. Là, il est là, là, que ça vous répondre. Et moi aussi, je ne suis pas fort pour regarder ma confiance. Je sais ma assurance à Dieu. Madame, la mère, il y a qui t'a. Je regarde seulement mon test, ma mère. La lumière à ces gens, le troisième jour, il voit. J'ai dit, ma deux, pour la mission, tu vas continuer à quand même. Premier. Deuxième, troisième, mon corps a elle te reçu le sang. Elle m'a dit abandonnez votre force, enseignant. Et suivez le frère Pierre. Le frère Béda. Ce qu'il vous dit là, c'est ça mon enseignement, l'enseignement de Jésus. Il s'est éveillé au milieu de la nuit. Ils ont commencé à trembler, à avoir peur. Moi, je ne savais pas ce qui s'est passé. Maintenant, toutes les mendiants sont venus là où je vous voyez très gentils. Ils sont venus très gentils. Ah, tout mignon. Avec. Ah. Comment ces gens sont venus gentiment comme ça? Ils étaient vraiment très colériques à mon époque. Je leur ai donné une chaise, ils se sont assis. Le Seigneur a dit que ma camarade est toujours en mesure à monter. Le Seigneur a dit que l'enseignement que nous suivons n'est pas vrai. Nous devons suivre l'enseignement et toi, tu prêches. J'ai dit aux deux docteurs, aujourd'hui c'est le 4e jour. Les deux animaux colombiens. A dit les 3e jour. Les animaux colombiens. Ça veut dire quoi? Dans le bac à dire. Les 3e jour, les quoi? Mon colombien, ça ne va pas me dire la cagaille. Ils ont cru les 3e jour. A dit, mais la cagaille, mon colombien, ça. Ce sont des signes que vous avez dit que vous avez la parole vraie. Ce sont des signes qui attestent que tu as la vraie parole. Ce n'est pas par le fort de l'homme. Ce n'est pas par le fort de l'homme. Tu dis, le Seigneur a accompli ça. Pour l'homme, il peut être accompli si mal. C'est comme ça que vous sentez que Dieu est serviteur de Dieu. C'est comme ça que tu sentiras que tu es vrai serviteur. Très important, quand on travaille, quand vous êtes comme ça, vous travaillez pour le royaume. Vous êtes comme ça pour la côté. Pour la vie éternelle. Pour l'amour, il y a ce qu'on. Nous travaillons que pour la blague. Nous ne travaillons pas pour des blagues. Bien pour la grâce. Ou nous ne travaillons pas pour des gamins. Pour la bisognon son tocotalo. Nous travaillons pour que nous tous nous puissions entrer dans le royaume. On toujours veiller l'écriture. Nous veillons l'écriture. Enfin, 15 ans, meilleur sur la mission de l'étoile. Enfin, que le Seigneur nous assiste pour être en celui qui est mon libre. Si par exemple libre, un serviteur Seigneur de Prêchement ne croit pas qu'il est libre. Libre. Je ne suis pas libre. Je serai jugé. Le Seigneur veille à tout ce que je pourrais dire en même temps. Le Seigneur veille. Zabé à Saint-Gélacanabo. Dieu ne blague pas. Zabé à Sakanate. Veille à Cananios. Il veille sur tout. Voilà pourquoi lorsque nous nous levons pour annoncer la parole, nous voulons que tout ce que nous dirons soit réellement la parole. Enfin, que tout cela a oyoté que ma kima kimba mais sans but. Enfin, que nous ne soyons pas ceux qui ont couru mais sans but. Parce que la Bible le dit dans 1 Corinthiens 9. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 9. À partir du verset 23 jusqu'au verset 7. À partir du verset 23 jusqu'au verset 7. Paul peut expliquer le chemin de Dieu. Lorsque Paul explique le chemin de Dieu, attend ici. Il a montré comment est-ce que les gens courent dans les stades. Ils courent tous, ils sont nombreux, ils courent dans les stades. Mais un seul seulement remporte le prix. Mais avant de courir, il s'impose aussi. Il s'impose toutes sortes d'abstinences. Il s'abstise de prendre du vivant et d'autres aliments qui peuvent toi qui m'a bien. Et pour bien courir par Paul a dit que Paul dit que cours pour remporter la couronne corruptible. Mais nous devons courir. Et nous devons aussi nous abstiner. Donc, aux alamine combo ticket combo. Tu étais dans l'impunicité, tu l'abandonnes. Aux alamine n'a l'obouta ticket à l'os. Tu étais dans le mensonge, tu l'abandonnes. Mais qui c'est la bonne ou non, son mari? Tu t'abstiens de toute vie mauvaise. Mais pour la couronne incorruptible. Mais pour remporter la couronne incorruptible. Oh, c'est très important. Les animaux tu as collé là. Yo courir de manière à remporter. Yo qui m'a l'enlevé à colombe.
Parce qu'il y a d'autres qui sont sur ce chemin de la foi. Mais ils ne connaissent pas le but pour lequel ils se retrouvent sur ce chemin. C'est comme à qui chasse souvent. Le transport est impossible. Lorsque le transport est difficile, lorsque il y a beaucoup de choses, lorsqu'un bus s'arrête, à tout ma côté, déjà, les gens s'y pressent. Ils ne sont même pas la destination. À vous de ramener la carte. Il va demander la destination à l'intérieur. Arrivé devenu général à 5 étoiles. Trois ans, sœur, dans la maison, c'est lui, ma frère. Donc, sœur, on peut servir. Il ne connaît pas le but. Vous ne savez pas changer comme il a marché chaque jour. Et l'autre est venu pour changer de réponse. Donc, but de raconte. Son but de raconte. Si tout cela vient d'amour, ils ont très cher, sans bien, rien à mettre, tout le temps. Ici, là, au début, avec ma très chère, amour, il est né à voir. On est fait comment est-ce qu'il se fait? C'est la 1 Pierre 2, on tangue les versets 9 et 10. À partir du verset 9 et 10, ça dit que le Seigneur avait la mission pour nous annoncer par verti. Et le Seigneur nous a appelé pour la montagne, ça me sert à ma langue et à ma bien la mission. Le monde, vous voyez, il est là, on a le Seigneur. Aujourd'hui, le monde ne peut pas voir visiblement. Vous voyez, parce que le Seigneur a ça. Mais le monde saura que le Seigneur est là. Dans la zone, on a que tout le col a eu aujourd'hui car la vie a impédicité. Lorsqu'il verra un homme comme toi, tu ne vis pas dans l'impédicité. Alors, bah, les il va vraiment le Seigneur le vivant. À tout niveau, le minard, vous avez un petit chéri. Et le dimanche, toi, tu n'as pas de copine. Et non. Donc, tu dis que tu n'as pas de copain. Et non. Ah, c'est que les gens, on va appeler ça comme un casse. Donc, c'est qu'il y a quelqu'un qui te donne la force. Le Seigneur Jésus. Les amis, qu'on le supplie. C'est ça. Nous avons annoncé par vertu. Donc, nous avons dit qu'on s'en va la montagne, ça ne s'en va. Christ. Il y a Christ au Jésus. C'est ça l'objectif. La mission est toujours ça. Il y a un bon la mission de l'Union. Ils sont considérés en tellement ma casse. Et tu as sérieusement considéré tout cela. Parce qu'il y a un bon la mission. Parce que le Seigneur est ensemble avec nous. Cet enseignement toujours est à les amis pour construire une vie dans Yolanda. Cet enseignement, c'est pour édifier notre vie. Et l'Église vit la vie à repentance. Et l'Église vit la vie et la repentance. Et si quand on a quitté, là où je ne suis pas parvenu, il était à temps de corriger et corriger pas pour la main ensemble. Lorsque l'enseignement me corrige, c'est parce que je suis fils de Dieu. Là, bon, pour la continuer. Que je devienne meilleur afin que je continue à marcher. Et quoi, il y a un témoignage au Pépin, mon tout. Et ce qui est bien, que je puisse le témoigner aussi chez toi. C'est ça la vie de Dieu. Il y a bon des moments à vous amener. Nous prenons d'abord notre écriture. On déjà la doctrine des malades. On avait dit qu'on entame déjà la doctrine des malades. Aujourd'hui, verset 14 de l'Apocalypse 2. Nous prenons le verset 14 de l'Apocalypse 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël.
pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles. Et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Là, tout le temps, verset 14, il y a Apocalypse. Nous venons de lire le verset 14 d'Apocalypse. Que Dieu bénisse cette lecture. Ça vient pour l'Italie. Nous avons dit voilà, on est diacona et puis on a enveloppe pour réviser ma question. Je vis le diacona me faire parvenir l'enveloppe des questions. À tout moment, si vous avez ma question, il faut poser un réviser la lentille. À tout moment, si tu as des questions, il faut les poser, c'est très important. Oui, ils allaient, papa Denis Lochima, on a posé une question. La question est posée par papa Denis Lochima. Bimotuna Isa pour un miracle. Donc, la question concerne le miracle. Bon prophète a touché qui Okufa et un miracle était. Est-ce que le prophète avait touché que la mort naturelle n'est pas un miracle? Naza, d'accord. Je suis d'accord. Mais parmi les miracles, un homme qui meurt, on a prié pour lui, il s'est levé, ou bien il est ressuscité. Ce n'est pas un miracle ou non? Bon, juste, c'est bien de poser une question. C'est bien que tu as posé la question. Donc, total, ça qui bouillait que. On avait montré ceci, bien aimé. Le Seigneur a permis que la mort puisse entrer dans le monde. Ah ouais, ici quoi? Ici tu as ajouté la résurrection. C'est quoi un miracle? La résurrection est un miracle. Tu suis attentivement. C'est quoi un miracle? La résurrection est un miracle. Ils quoi? Nous n'avions pas parlé de la résurrection, mais de la mort. Donc on avait dit ceci. Liwa est allé que Bible, on attaque à David. La mort, la Bible appelle la mort du temps de David. Les chemins de tout homme. C'est là et à retenir son nom. Donc, attends, même si tu grandis, tu entreras par le chemin qui est la mort. En attendant, Bible dit, nous ne mourrons pas tous. Et en ces temps, la Bible dit que beaucoup font la tête sur les hommes. Tous, on va transformer ce que le Seigneur a eu. Si nous sommes tous au bon point, on a envoyé un colonel. Mais nous sommes tous des mortels. Mais nous tous sommes des mortels. Et la mort peut nous atteindre. Bible, la parole de Dieu, c'est pourquoi la parole de Dieu nous demande que nous sachions à tout temps nous apprêter. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui nous arrivera. Si le Seigneur te donne ce jour, Dieu est dans le mal, abandonne le mal. Et marche comme le Seigneur le recommande. Pourquoi on avait dit cela? Parce qu'il va croiser un texte. Il y a Christ et Jésus. Parce que les gens prennent le texte du Christ et Jésus. On a eu un miracle. Lorsqu'on était venu lui poser la question sur le miracle, à répondre, il a répondu. Même dans Matthieu 16, il s'y trouve. Même dans Matthieu 16, il s'y trouve. Cette génération a aussi un signe, un miracle. Et qui a été marqué, il s'y trouve. Il y a un miracle. Il y a Jonas. Le miracle qui a été marqué, Jonas, le prince, il y a un ambition. 3 jours, 3 nuits. Je l'ai donné le miracle de Jonas quand il vit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. De la même manière, le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours, 3 nuits. Alors j'avais dit ceci. Dans le pensée des hommes, ils savent très bien qu'être dans le sein de la terre, c'est être enterré ou enseveli. Donc, dès que vous avez dit, non, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, à 3 jours. Donc, les gens ont vu que Jésus parlait de sa mort de 3 jours. Dès la terre, ils ont dit que l'Iloa est un miracle. J'avais montré que la mort n'est pas un miracle. Oui, c'est un miracle. Ce qui est miracle, ils ont dit, oh, et ça, la démon. Et Seigneur a confirmé, a confié place. Ce qui fait que l'homme qui devait mourir, mais il n'est pas mort à cet endroit. Jonas. C'est pourquoi j'avais dit de lire d'abord le livre de Jonas. Est-ce que ça, Jonas va voir qui est la main? Lorsque Jonas fut jeté dans la mer,
Akufana était-il mort? Lorsqu'il était dans la maison, il n'était pas mort. Il y a beaucoup de miracles. Et c'est ça le miracle de Jésus. Il était toujours en vie. Jésus a monté le baguette à la bouche. Et c'est le genre que Jésus avait dit qu'il leur donnait. Et d'autres personnes dans le sein de la terre sont meurtres réalisés. Ordinaire. D'autres amis. Mais la mort du Christ Jésus, ce sera un miracle. Yabo. Pierre a levé dans 1 Pierre 3. C'est pourquoi Pierre a dit dans 1 Pierre 3. Christ est mort quant à la chair. Christ soit couffonné dans d'autres. Quant à l'esprit. Il est allé prêcher. Donc, à quel côté a mis mon esprit? Dans la terre, ça va bien couffaté. Dans le sein de la terre, il n'était pas mort. Pierre a levé dans 1 Pierre 3. Pierre l'a dit ainsi dans 1 Pierre 3. À quel côté? Il était allé prêcher les esprits. Si tu observes qu'il prêchait pendant trois jours dans le sein de la terre, vraiment, ils ont répété le lingue. Jonas Atala qui vivant dans la carte avec fidèle. Et cela répète comment Jonas était vivant dans le sein du poisson. C'est ce que Jésus disait. Il y a un bon Yesu Azala qui n'a qu'à Tiamoloa. Quant à l'esprit à profiter. Dans mon livre, on a eu à Koufante. Que Dieu bénisse. Ça vient à voir pour les gens. La question, mon souci. Il y a encore une autre question. On a eu frère Richard. On a eu des corichards. Maninga qui n'a eu pas à propos du jardin d'Adam. Je voulais savoir à propos du jardin d'Adam. Est-ce que le jardin d'Adam. Est-ce que le jardin. Les Alaka n'a pays ni. Avait existé dans quel pays? Pour y avoir. Pour en savoir la situation du jardin, il faut toujours autant l'écriture. Tu dois toujours lire les écritures de Dieu. Dans ce côté de l'écriture, dans Genèse d'abord 2, si nous remarquons les écritures dans Genèse 2, dans Genèse 2, tout en guise, l'Église faut qu'on ait la connaissance. L'Église doit avoir la connaissance de Dieu. Parce que la connaissance, il y a un pour protéger. C'est la connaissance qui va te protéger. Donc on a déjà dans la doctrine de Balaam, mais ça m'a mené trop moi encore. Nous entrons déjà dans la doctrine de Balaam, il y a beaucoup de choses que nous allons voir. Dans Genèse chapitre 10, dans Genèse chapitre 2, la Bible le dit à partir du verset 8. La Bible dit à partir du verset 8. Notez, tu notes, dit même dans le verset 11. Et même jusqu'au verset 11. N'a pas même discac. Je commence par la partie du verset. Répondre pour répondre rapide. N'a pas même 10. Genèse. Genèse 2 à partir du verset 10. Pour sauter, moi, mon kien, n'a pas besoin de la écriture, mon quoi. Un fleuve sautait d'Eden. Et bien, les mots, quoi, ça, qui vous dit, madame, pour arroser les jardins. Bon, d'accord, ce papa, il n'a pas de la. Et de là. Il s'est divisé en quatre bras. Le nom du premier est Pichon. Comment est-ce que vous avez Pichon? Le verset 13. Le nom du second fleuve est Guillon. Verset 14. Le nom du troisième est Inekel. Toujours le même verset 14. C'est celui qui entoure l'Orient dans la Syrie. Le quatrième est Séléphrate. Les amis, où est-ce na côté du Léamo, il y a Sou, il y a P et Baliamine. Je prendrai seulement le fleuve Inekel et Euphrate qui était dans le jardin d'Eden. Ensuite, Daniel 10. Je prends Daniel chapitre 10. Daniel à partir du verset 10. Je lis à partir du verset 2. Daniel 2. Daniel Azaraki na Babylone. Daniel était à Babylone. Maintenant, dans le verset 4. Le verset 4. Le 24e, Daniel 10, verset 4. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Inekel. Mon collègue a tout compris, mais il y a un qui peut me dire que les années à comment Inekel.
Donc il est quel dans la Babylone? Donc il est quel dans la Babylone? Or il est quel dans le jardin de Dieu? Or il est quel était dans le jardin de Dieu? Aujourd'hui Jérémie chapitre 51. Vous prenez Jérémie chapitre 51. Dans Jérémie 51. Dans Jérémie 51. Tout le temps dans Jérémie 51, à partir du verset 59. Nous lisons Jérémie 51 à partir du verset 59. Dans verset 64. Jusqu'au verset 64. Là, Jérémie a votinda Mukanda. Là, Jérémie envoie une lettre pour les Juifs qui étaient à Babylone. On a parlé dans verset 59, qui est Jérémie 51. Le verset 59 de Jérémie 51. Ordre donné par Jérémie. Mon tino y pesani par Jérémie. Les prophètes. Mon sacoli. Aseraj. Et quoi y Aseraj? Fils de Nerija. On est en bas les Nerija. Fils de Machseja. On est en bas les Machseja. Lorsqu'il s'est rendu à Babylone. Avec Sédécias. Na mokoti Sédécias. Au roi de Juda. Kumu y a Bayuda. Donc, à qui l'a dit à Babylone, ça va? La quatrième année du règne de Sédécias. Or, Seraj a été premier chambellan. Donc, Seraj a Azara qui, mon père citoyen, il bosse à Koumou. Jérémie écrivit dans un livre tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone. Jérémie a Thomas qui n'a pas Koumoko, par ma campagne, sur ma case, c'est Seigneur qui est comme elle. Toutes ces paroles qui sont écrites sur Babylone. Jérémie dit à Seraj. Lorsque tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles. Et tu diras, Éternel, c'est toi qui as déclaré que ces lieux seraient détruits. Et qu'ils ne seraient plus habités ni par des hommes ni par des bêtes. Mais qui deviendrait un désert pour toujours. Et quand tu auras achevé la lecture de ces livres, on fera cette lecture à Babylone. Tu y attacheras une pierre et tu les jetteras dans l'Euphrate. Le jardin de l'unité dans Babylone. Babylone aujourd'hui c'est l'Irak. Le nom Babylone est Irak. Vous en avez marre? Tu sais attentivement. Même Abraham a entendu l'Irak. Même Abraham provenait d'Irak. C'est tout un enseignement. Les amis là qui s'y mouvent pas. Yéba, ce sont les bases des écritures. Et ça seulement que ce sont les bases bibliques. On localisa à partir de la maille où ils avaient été. Nous avons localisé le jardin d'Éden à partir de ce fleuve. Et pour Monique, nous avons dit à la Babylone. Que Dieu vous bénisse. Ça fait la mort de la vie. Et que la grâce du Seigneur les aille pour nous dans mon corps. Et que la grâce du Seigneur soit sur tout un chacun. Nous allons croire que le Seigneur a son mis par sa grâce. Et nous croyons que le Seigneur a conduit par sa grâce. À savoir, on a orienté mission en cas de. Et là pour nous orienter dans toutes choses. Total ici d'abord l'écriture pour le total ici le nicolaïsme. On avait d'abord montré dans l'écriture sur la doctrine de Nicolaïsme. Et il faut simba nicolaïsme et ça pour dominer le peuple. Il faut saisir que le nicolaïsme c'est dominer le peuple. Et c'est ce que nous avions dit. Avec les écritures, total ici qui a montré bien par la grâce de Dieu. Nous l'avions très bien montré par la grâce. Il faut l'habitude pour répéter les écritures. Il faut avoir l'habitude de répéter les écritures. Pour avoir l'enseignement très bien. Répéter encore, réécouter les enseignements. Et Tolobaki aussi, que selon du Galates 4, le verset 17. On avait dit aussi en prenant Galates 4, le verset 17. Pour la monaki, Bateimoko Bazaraki zélé pour l'église. On avait vu certains serviteurs.
pasteur zélé pour l'église. A misère on les a pire. L'universelle n'est pas pure. Mais pas un zélé pour n'a pas nous cabine nos peuples beaucoup à zélé pour eux. Donc ils sont zélés pour vous afin que vous soyez aussi zélés pour eux les hommes. C'est ça les Nicolaïs. Il y a beaucoup d'unité à la Nicolas. T'as commandé pour s'attacher à mon tout mais la parole t'aime. Et l'homme commence à être zélé s'attacher à l'homme et non à la parole. Donc le temps pour la Kina et un gros. On avait marché avec cela. Donc on a écrit les a. Donc il y a les écritures. Oui, le livre, pardonnez-vous réciproquement. Au livre, ça n'a pas copé vos soucis. Cela veut dire que votre union sans la terre. Cela veut dire tout homme commet des erreurs. Mais comment la version les a. Comme il y a ces versets. Pardonnez-vous réciproquement. Au livre, ça n'a pas copé ma soucis. Je vais le baquer. Et je reprends la mer. Cela veut dire un jour tu me verras dans l'erreur. Non, le Seigneur, pardonnez-moi. Et je vais te demander pardon. On est comme surtout pas pour ça l'erreur. Et notre frère aussi peut commettre une erreur. Olimbisaï. Et tu puisses aussi le pardon. Réciproquement. À mon copé, ma source pour l'Olimbisaï. C'est ça la vie d'un bon chrétien. Il y a mon démon, mais mon Christ. Il y a mon tournoi qui est tout le monde spécial. On avait dit dans ces choses, il n'y a pas un homme spécial. C'est vraiment ça l'enseignement. Il y a mon dépendant qui l'a dit. L'enseignement de la parole. Il a dit ça. La parole est comme un marteau. La parole est comme un marteau. C'est ce que Jérémie 29 faisait. C'est ce que dit Jérémie 29. Il y a mon redressant. C'est la parole qui nous redresse. L'église est une petite carrière. L'église est comme une carrière de pierre. Au moment où il y a un temps où il y a un équipe de Salomon. Vous voyez, lorsque toute l'équipe de Salomon frappé sur le pierre pour leur donner la force. Il y avait des bruits. Mais la construction, ma les dans la construction du temple, il n'y avait pas de bruit. Il faut avoir l'église à l'autre qu'on a ta jupe. Il faut qu'ici que je puisse le dire, il faut cesser avec les jupes qui te servent. Ma jeune sœur, il y a pas l'église. Toi qui es jeune sœur, que tu viennes à l'église. Aux autres mots, on va venir à moi qui l'autre est au Kangaro. Tu marches sur le lit avec des culottes, des jupes qui te servent le corps. Sophie, la mort, on a reproché, on a moi un bébé. Si je te vois, je vais te reprocher en privé. Jour ou sous. Un autre jour. Alors, ton goût t'en allait l'église. Nous allons nous croiser à l'église. Il faut, oui, bah, d'abord pour respecter tes parents. Tu dois savoir d'abord respecter tes parents. Aujourd'hui, ma parent m'a là. Tu as des parents chez toi. Parfois, mon parent comme il a ma difficulté. Parfois, tu vois ton père dans les difficultés. Et on y s'aligne tes parents et on pour dire qu'il en a foutu. Et quand tu peux faire parents, commence à te chercher de l'océan. Ou autre chose que ce n'est. Bonjour, on aurait parents. Tu n'en nommes pas tes parents, jeune sœur. Tu es sous la malédiction. On se met ça venir là. Tu es en train de détruire ton avenir. Les diables qui te combat. Dieu ça pour la salive au bout. Ainsi que nous autres, quand la maman casse la vie à ma vie. Il sait très bien que tu es en train de te lier dans l'iniquité. Pour regretter âge et qui. Tu vas regretter que ton âge est déjà dépassé. Que maman casse. Fais très attention, prends garde. Dans mon année, il m'a dit mes oseins. Marche comme le recommande la parole. Oh, tout ça, ce que nous disons ici. Pratique les années dans un quartier, dans ce quartier. C'est dans mon quartier, partout où nous en ville. En ville. Mais il faut notamment ça, l'enseignement. C'est là que nous devons montrer. C'est très important. Les années ont tué à Koleka. Dieu le bénisse. Amen. C'est un très très important. Les années ont tué à Koleka. Donc, c'est que. C'est-à-dire dans tout cela, nous encore, et donc nous déjà comme l'écriture, je rajoute une autre écriture, toujours dans le nicolaïsme, en ce qui concerne la doctrine de Nicolaïque, totalisa qui pouvait être dans Matthieu 20, dans verset 25, dans 26. On avait montré dans Matthieu 20, le verset 25. Jésus-Christ a confirmé qui est pas condiabadicolo. Jésus-Christ avait confirmé que les chefs des nations les tyrannisent. Il a dit que cela ne sont pas ainsi parmi vous. Le Seigneur avait dit domination à l'homme sur l'homme. Le Seigneur avait refusé la domination de l'homme sur l'homme. Il y a un ça qui, 2 Corinthiens chapitre 1, c'est pourquoi j'avais donné 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 24, le verset 24, Paul a l'obagé que buissot pour dominer sur votre foi. Paul avait dit que nous n'allons pas dominer sur votre foi. Et le légume aussi bien dans la main. Il
la même manière aussi Pierre de son côté a conseillé à qui les autres anciens. Il avait conseillé à d'autres anciens. Dans 1 Pierre chapitre 5. Boka malimbo tanon comme dominance. Baisser le peuple de Dieu non comme dominance. Pour dominer l'Ikoloba. La domination que le Seigneur exerce, c'est-à-dire tu remplaces les écritures par tes racines, donc tes propres choses, tu refuses les écritures, et tu établis tes propres choses. Ces choses-là, le Seigneur les refuse profondément. Le Seigneur les déteste. C'est pourquoi il avait loué les écritures. L'église d'Éphèse voulait que ce qu'on enseigne soit dans la parole. Ce qui est la parole, l'église d'Éphèse est contente. Si ce n'est pas la parole, l'église va s'opposer à ce. Le Seigneur lui a dit, le Seigneur lui a dit, en tout cas, je sais que tu es ou détestes les œuvres de Dieu. Et moi aussi, je les hais de mon côté. C'est pourquoi je dis ce que le Seigneur déteste. Maintenant, toi, tu ne veux pas qu'on puisse l'enseigner. Alors, dans quel rang te mettrais-je? Donc, c'est le diable. Non, ce n'est pas et le contraire, ce que le Seigneur a dit qu'il déteste. Mais tu ne veux pas qu'on puisse enseigner. Qu'on ne puisse pas montrer aux gens, c'est ça. Le Seigneur la déteste. Mais ça sort. Mais c'est terrible. Étant fils de Dieu, nous allons dans un verre qui t'a dit pour soi ensemble. Il faut te rabaisser devant le Seigneur. Qui t'a dit pour soi parole. Rabaisse-toi devant la parole. Alors, dit qui t'a dit pour soi la main puissante de Dieu. Donc, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Ah, vous élèverez autant qu'on est là. Il vous élèvera autant qu'on est là. C'est très important. Les animaux, tout y a collé. Oui, donc, on dit qu'on a déjà texte dans les chaussures. Balaam. Nous venons de lire notre texte sur la doctrine de Balaam. Et que les doctrines aussi que le Seigneur a reproché dans les églises. Et c'est la doctrine aussi que le Seigneur reproche dans ses églises. Il faut d'ailleurs qui est Balaam. Il faut savoir l'identité de Balaam. Là, tu as dit qu'il y avait un Balaam, un homme comme ça, comme ça. Il y avait un homme qui existait du nom de Balaam. Mais à Koufa. Mais qui est mort. Mais ma cambronaille n'en sera. Mais c'est pratique ces choses. Et Zola t'a aussi par Balaam et bébé. Et possède aussi beaucoup de Balaam dans la suite des temps. Donc au moment on a pas le l'Egiyaza. Vous voyez seulement la nature de Balaam. Et au temps là on mène en bas. Et tu vas le voir aussi de l'autre côté. Alors Dieu est contre ça. Vous avez à sauter de la l'Egiyaza. C'est pourquoi tu vas remarquer. Nous voyons d'abord Balaam. Nous voyons d'abord qui est Balaam. Dans tout autant dans l'écriture, il y a Josué chapitre 13. Lorsque nous lisons l'écriture de Josué chapitre 13, verset 22, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Josué 13, verset 22. Parmi ceux que tu es, les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec les pèlerins des vins. Fils de Béor. On l'a appelé des vins dans la casse. Aujourd'hui, nombre aussi. Prenons aussi l'écriture du nom. Tango, ancien Yamoa. Na Yamadian. Lorsque les anciens de Moab et de Madian, Asagana qui pour ne pas qu'ils écoutent en Balaam, s'étaient mis ensemble pour aller voir Balaam. Na Nombre chapitre 22e. Dans le livre de Nombre chapitre 22. L'écriture est le livre. L'écriture dit ceci. Nyonso foye bayamopo. Tu vas savoir toutes ces choses pour bien comprendre aussi beaucoup de choses. Verset 1er. Les enfants d'Israël partirent. Et ils campèrent dans les plaines de Moab. Au-delà du Jourdain. Vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tzippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens.
Verset 5. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor. J'ai passé dans une autre. Parce qu'il faut autant d'amis par la grâce de Dieu. Parce que nous devons beaucoup lire par la grâce du Seigneur. Il y a d'abord que Balaam, il était un des vingt. Sache d'abord que Balaam était des vingt d'Agakissi. Maintenant, au verset 5e, il y a Nombre 23. Mais nous prenons le verset 5 de Nombre 23. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam. Yahweh a dit qu'il m'a le manamo non koya Balaam. Donc, nous avons vu la parole du Dieu. Donc, là, le Seigneur a pris sa parole. Et il dit, vous t'accompagnez avec Moïse. Celui qui a écrit cela, c'est le prophète Moïse. Donc, à Monique, Zambé, il a vu vraiment les témoins qui vient à lui. Oya Kambata Israël qui conduit Israël. Azumanobanaye a dit Nakatia Moko Yabelva. Mais il a pris ses paroles et les a mises dans la bouche de l'homme. Il faut évacuer Balaam. Tu dois savoir que Balaam, Nganga, un divin, Moutabakisi, un enchanteur, même et au moment où on a ma parole de Dieu. Mais à un certain moment, il dira les paroles de l'Éternel. Donc, c'est que ça a activé l'église des saints. C'est-à-dire aussi dans les églises. Au moment où tu peux voir aussi un homme serviteur de Dieu. Il y a la magie. Mais il pratique la divination. Monté, un serviteur, un sorcier. Mais un grand sorcier. Parce que Zama Kambo, avant que nous nous promos. Ces écritures étaient écrites avant que nous soyons tous nés. Ayez au combat. Ces écritures ne sont pas venues de combattre. Yondo Koti, ma katina yango, il faut la gamine. C'est toi qui es en train dans les écritures et tu vas le suivre. C'est de la gamine yango et tiens. Tu désires de suivre telles qu'elles sont placées. Nous regardons facilement les écritures. Donc Dieu a pris ses paroles. Ça fait sur Maloboyanye. A tiens mon acte à des vins. Et les a mis dans un devin d'Abakissi. Devin à Maloba Makambo. Et le devin commençait à prononcer les paroles. Je suis un homme qui se prospère. Ça lui montre ce qu'il a fou Kami. Et les essouffles. Puis son andaï et fou quoi. Je vois les visions du tout puissant. Mon acte à il s'est mis à taper en verre. Moïse a fait ça. Moïse a dit c'est vrai, c'est pas tout le monde. Ce que tu vois, c'est vraiment la vision du tout. Mazara qui devient. Parce que ça va quand même d'Akissi. À un moment, il a précipité Josué 13, verset 22. C'est pourquoi Josué donnait Josué 13, de verset 22. Israël, au moment. Israël les fit périr par l'épée. Attaque ou annonça qui m'a prophétisé. Même s'il avait prononcé les paroles de l'Éternel. Nous en avons là. Je suis pas attentif. Mais l'Éternel parlait avec Balaam. Parce qu'il y a un Mazara qui colomba dans mon nom à Balaam. Balaam est nous comme émaillé. Balaam, la chose qu'il avait emportée, les amis, on a un droit. Le coumou à la taquille. Aujourd'hui, Nombre 22. Vous prenez Nombre chapitre 2. Verset 37. Le verset 37. Balak azar roi ya Moab. Balak était le roi de Moab. Moab est Zaraki presque le dernier pays où est né Israël. À l'Ekawana Bongo a traversé Jordan à côte à terre. Moab, c'était presque le dernier campement avant l'entrée dans la terre promise. Alors, Rwana, Balak, Ayokaki, Asango, et Israël. Balak avait entendu le nouvel du peuple d'Israël. Israël. C'est ce que le Seigneur avait fait en faveur d'Israël. Né à Lobi, alors il a dit il faut dans le Kamutumoko. Je dois chercher un homme. Oya Boki Boyeba Ndenge Nini Peplo Ezouya Nano Gamo. Qui saura comment faire pour que je puisse vaincre ce peuple qui arrive. Bah Ibisye Benga Balaam. Il a fait appel à Balaam. Balaam Azaki Madianite. Et Balaam était des Madian. Bah Sanani Basien Madian.
Ils se sont rassemblés les anciens Moab et les anciens de Moab. À quel Koluka Balaam. Ils se sont rendus vers Balaam. Nabakis un devant. Bazan a besoin aïe pour amoudir Israël. Ils avaient besoin que Balaam vienne pour maudire Israël. Pour Israël a cocaté. Pour qu'Israël devienne faible. Koluka Moab. Vaincre Moab. C'était ça la mission. C'est pourquoi ce roi Balak. Lorsque Balak a consenti de venir, roi Balak a été le roi Balak était allé l'acquérir de loin comme si on acquérait un président. Là, on voit un nombre 22. Là, en lisant nombre 22, on m'a dit toujours à partir du verset. 36e. Qui commence à partir du verset 36. Qui était la scène. Jusqu'en bas. N'ajoute pas ma loi au nom de Jésus-Christ. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Balak a pris que Balaam arrivait. Balak a eu pas qui était Balaam à Zanikoya. Mission et amis. C'était quoi la mission? Pour laquelle la libot en Zambé m'a pris. Mentir le peuple de Dieu. Pour libot en Zambé comme un faible. Afin que le peuple de Dieu devienne faible. Alors, Balak a yoki que Balaam a joué. Et Balak a pris que Balaam arrive. Il sortit à sa porte. Abima qui pour la beaucoup d'années. La émission que Balaam a macabaza ko sala na ba milieu wana et Balak a macaf. Donc la renommée de Balaam était connue à cause des exploits dans ce milieu-là. Parce que mon conzi. Parce qu'un roi. Niveau royal. Donc regardez le niveau royal. Et il est maquillé. Donc à connaître. Le réservé qui vous a sorti à Congo. C'est comme si tu es au Congo. Mais mon conzi, il a dit que le numéro nous a jeté. Mais le roi ou le président connaît tes numéros de sorcier. C'est ça le niveau à Balaam. C'était ça le niveau de Balaam. Vous avez la main. Vous suivez attentivement. Ton bataille, niveau d'Israël. On a vu le niveau d'Israël. Comment est-ce que la mer s'était séparée? Comment est-ce que les choses s'étaient passées dans le désert? Batali parmi ma magicien. On a vu parmi les magiciens qu'ils avaient. Il a vu vraiment les dents de Balaam et taille. La taille de Balaam. Donc c'est qu'il va me dire Balaam a fait un taille comme. Ils avaient vu que Balaam avait une taille très élevée. Ah oui, pour déjouer Israël. Il peut déjouer le peuple d'Israël. Et lorsqu'il avait consenti de venir, nous savons tout ce qui s'était passé comme il doutait d'abord de venir. Mais le Seigneur a toujours la fin d'une chose. Si tu avais atteint la carte sous la table, atteint au persévérer aux hommes, même si tu persévères dans la crainte de Dieu, tu crains vraiment le Seigneur. Avant l'enlèvement, écoutez, on a vu sous mon côté. Et avant l'enlèvement, tu es dans le péché, tu n'y entreras pas. Un peu de l'élevé fin de l'élevé de la part. Pour le moquer, quand il vit ici, il va bien sûr. Donc il y a un enfant qui boit la gare dans la gare au centre. C'est pourquoi il faut toujours dans la gare, Seigneur. Ça va quand même. Ça va toujours constamment dans la gare. Et donc, quand il boit son, il n'a qu'à passer dans la pire. La première des choses, il faut désirer la pureté de l'élevé. Et donc, quand il boit son, c'est la première des choses. S'opposer à Coran, si tu es endormi, au fond, il en béton, ou bien tu es sur le cas, ici, il n'y a pas de béton. Que tes pensées soient toujours pures. On a qu'à sanctifier. Il faut toujours sanctifier dans tes pensées. On dit que les quelque part, dans ce cas, nous avons pensé à la sanctifier. Tu te rends quelque part, même en cours de route, il faut chercher la pureté de tes pensées. Parce que combat le diable, les années pensées, parce que le combat du diable, c'est contre nos pensées. À suyer, non. Qu'il puisse te suyer. Au combat, on a un bin dans la tête. Et que tu puisses avoir beaucoup de choses belles en toi. Voilà. Descendre le terrain. Tu es déjà dans le mal. Le diable sait. Ça pour la vie à mon mal. Il faut toujours combattre en chassant les mauvaises pensées. Non. Pas en train de méditer le mal dans ton cœur. Au nom de Jésus. Il faut toujours les repousser au nom de Jésus. Il faut ce qui est pire. Ce qui est dit des lois, ce qui mérite l'approbation. Oh, les amis, on dit ça. Moi, les amis, Philippiens 4, Philippiens chapitre 4, verset 8. Le verset 8. Oh, les amis,
vie d'être acclamé. Et ça a l'objet de vos pensées. Donc, les autres questions si tu es là, alors qu'on a son ce que je pense. Si je l'expériorise devant les gens, après, ils vont m'acclamer. Et c'est ce que dit ces versets. Ce que je suis en train de penser. Ce qui n'a pas bien moi. Si je le dis devant les gens, les gens vont m'acclamer. Et ça dit péter pour qui ça vient péter à ma commune. Maintenant, vous allez voir, maintenant, il faut être là. Si par exemple je le raconte aux gens, est-ce que les gens vont m'approuver? Les gens vont m'approuver. Mais ne soyez pas promoteur. Si cela n'est pas, répands-toi. Les diables combattent les pensées. C'est pour la boucle, Satanien m'a calé si la mission. C'est par là que la faiblesse est comme un diable. C'est par là que la faiblesse atteint la vie. Même à son chinaïe béni. Et même ses songes aussi sont détruits. Il commence à avoir des songes d'impudicité. Grave qu'on est à bout d'eau. Et grave d'ailleurs. Avant c'est bien longtemps qu'un songe, il désire avoir des songes d'accouplement sexuel. Et ça sent. Donc c'est terrible. Ce sont des possessions démoniaques. Et ça dit qu'il n'y a pas ça pour le il faut qu'on ait des attaques doux et paisibles. Il faut que ça se fasse, que si j'ai un problème, je dis à Dieu pendant mon sommeil. Il faut la garder mignonne. Il faut désirer cela à Dieu. Ceux qui vont nous criser à ma paix, bande pour ça, mais la garde la canne. Si tu as toujours des mauvais songes, il faut prier en son présence. Ma soeur, t'as notre gars à boire. Et quelle sorte de songes je refuse. Bonjour, t'as pas de la gloire, t'as pas de la gloire, tu as toujours des cauchemars. Voilà, je dis, spé-moi. Et tu te réveilles en plein de soucis. Dis un mot. Le roi, ma loi. Au nom de Jésus. Et ce problème n'a plus que ça ne puisse pas au nom de Jésus. Si tu n'as pas de faire une prière, déclare parole. Déclare cette parole. Au nom de Jésus. Je vous pose à ce songe. Et je m'en prends. Au nom de Jésus. Je suis un peu plus à la sanctifier. C'est de la chercher la sanctification. Parce qu'il y a un monde des hommes qui tombent. Parce que c'est ça qui est une bonne chose. Il faut ma pensée, mais ça la dit des rois. Et ce qui est de ma taille, s'il a eu un bon appétit dans le coup. Que Dieu te bénisse. Ça vient pas pour la vie. Et que la grâce du Seigneur soit sur toi. Et que la grâce du Seigneur soit sur toi. Donc ce qui est dans la taille, il y a un mot. C'est-à-dire dans tout cela. Nathanie verset 37. Je lis le verset 37. Il y a un nombre 22. Le nombre au chapitre 20. Balak dit à Balak. On continue Balak à l'Omélie. Balak. Nous savons déjà que Balak est le roi de Moab. N'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler? N'a-t-il pas quitté pas une ayo pour la commune d'ailleurs? Pourquoi n'est-il pas venu vers moi? Pour la limite, il y a qui t'a pour la même acquis. Ne puis-je donc pas les te traiter avec honneur? N'a-t-il pas coquille, il y a mon soir. Les choses qui étaient importantes, préparer pour Balakim. Donc, Balakim, moi, on est à toi. Et puis, on lui avait aussi promis beaucoup de pierres. Nous allons les voir dans 2 Pierre 2. Que chemin Balakim, Malinaki, salaire de l'iniquité. Et le chemin de Balakim, c'était qu'il aimait les salaires de l'iniquité. Balaam a été appelé pour amaudire les peuples de Dieu. Balaam était appelé à amaudire le peuple de Dieu. Maintenant, malédiction est en gros. Maintenant, cette malédiction, sur la montagne. Lorsqu'il a essayé partout sur la montagne, parce que j'ai rencontré notre serviteur, verset 9, il y a nombre 23, ma B. Il prêchait mal le verset 9 de nombre 23. Je ne vois ni sommet des rochers. Ah, Balobite que Israël a un sommet à rocher. Israël n'a pas
péché azomo na Israël. Outa songe ya mabata mine na zomo na Israël. Parce que le prophète vient où il a la vision. Parce que le prophète ou celui qui a le don de prophétie. Regarde là il a toujours sur la montagne pour mon aïlobo ma troisième mon. Par rapport à son regard il est toujours sur la montagne pour voir ce que les autres. Dieu transporte à la montagne. Le Seigneur a vu quelqu'un sur la montagne. Et la montagne il peut voir. C'est ça la parole du Seigneur. Alors, améki par tous les moyens. Et puis il a cherché par tous les moyens. Et s'imiter. Bonne année. Et cela n'a pas été pour moi. Parce que le Seigneur avait mis ses paroles dans la bouche du devin. Lorsqu'il ouvre la bouche, il bénit. Indépendamment de la volonté, il n'y a pas de qui devin. Et dans la qui était prêt à sa la qui n'a pas qui si. Yabo comment n'a que Israël a commis. C'est pourquoi tu vas voir qu'Israël avait fait périr. Yabo son montagne n'a nombre 25. C'est pourquoi en lisant nombre chapitre 25. Matambo est dans le nombre 25. L'événement qui est dans le nombre 25. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. N'a 26, dans 4 qui n'a 4e. Jusqu'au verset 4. J'ai le nom de Jésus-Christ. La terre qui n'a commis Jésus-Christ. Israël demeura à Sittim. Israël sera qui profane dans la Sittim. Le peuple commença à se livrer à la débauche. Avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea. Et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Ikabota les os allemands. Lorsque cet événement s'est passé, soit à l'innombre 25. En lisant nombre 25. N'a versé 25 plutôt. Au verset 25. Nombre 24, verset 25. Nombre 24, verset 25. Balaam, ce n'est pas. Balaam a tiré maquiné. Nombre 24, verset 25. Nombre 24, verset 25. Balaam, ce n'est pas. Balaam a tiré maquiné. Parti. Et retourna chez lui. Et à son gata et pas inaïe. Balak s'en alla aussi de son côté. Donc, dans le bataboua, lui, lorsqu'il s'était séparé, les situations où il y a Israélite va continuer en force adoration et bâti. Maintenant, c'est l'événement d'Israélite qui commence quand ils étaient entrés dans la force adoration. Alors, comment on a presque de l'autre côté. Ici, tu ne verras presque rien. Mais pour ta salle, Israël va continuer dans la force adoration. Mais celui qui avait fait qu'Israël entre dans la force adoration, c'est malade. Les amis vont savoir leur idée. Écritis, les amis. Il y a une écriture dans Nombre 31. Dans Nombre chapitre 31. Totangi, Nombre chapitre 31. Nous lisons Nombre chapitre 31. Combat d'Israël contre le Madianite. Le combat d'Israël contre le Madianite. Nous allons partir du verset 14 à la 16e. Le verset 14 jusqu'au verset 16. J'ai le nom de Jésus-Christ. La terre qui a commandé. Nombre 31, verset 14 à 16. Nombre 31, le verset 14 à 16. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée. Les chefs des milliers et les chefs des centaines qui les prenaient de l'expédition. Voilà, Israël a poussé qui maintenant Moabite. Israël avait combattu les Madianites et les Moabites. Dans ma Moïse a séduit. À leur retour, Moïse s'est tiré. Il a dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Dans le verset 16. Le verset 16, il y a nombre 31. Le verset 16 de nombre 31. Mais est-ce que l'Église peut comprendre le nombre 25, verset 1er, qui est la 3e? Nous aide à comprendre le nombre 25, le verset 1er jusqu'à 4. Voici ce sont elles. Donc, Madianit, ma fille. Donc, les filles de Madian. Femme bien sûr. Donc, toutes ces filles-là. Ce sont elles qui les animaux, si on a... sur la parole de Balaam ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité.
parole. Balaam avait présenté une fausse parole. Pour Israël, entre dans les impudicités. En fait, Israël entre dans les débauches. Avec les nations. Israël avait la loi. Israël avait la loi de l'Éternel. Dans Deutéronome chapitre 7. Nathan à partir, il y a verset 3 à 4. Je l'ai lis à partir du verset 3 jusqu'à 4. Deutéronome 7, verset 3 à 4. Deutéronome 7, verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur. Dakina Komore Jésus-Christ. Qui ne contactera point de mariage avec ce peuple? Yoko Sanganate na Bamabala na Bamabota na Nicole. Qui ne donnera point de fille à leur fils? Okupe Sateba na Yabasi na Bamaba Biban. Et qui ne prendra point leur fille pour tes fils? Yoko Sateba na Bamabasi na Bamabasi na Bamabi. Car il détournerait de moi tes fils. Qui servirait d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait totalement. Il a cherché par tous les moyens d'Israël. Même lui aussi, enfant de Dieu. Adayoupe, comme moi, dans sa mère. Moi, si, au Yokoba. La femme que tu vas épouser. Azala la parole. Qu'elle soit une sœur qui est dans la parole. Vous êtes un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Je n'attends pas à avoir une sœur parfaite. Mais vous savez, vous m'amenez, vous allez. Quel sera ton travail dans le foyer? Parce que vous êtes un pasteur, Nanda. Parce que toi, tu es pasteur de ta maison. L'église, là, d'abord, les amours. La première église, c'est ta propre femme. Lorsque tu l'épouses, chère Mère du Mousseau, donc ta première chère, madame, c'est ta femme, ton épouse. Attends, on va bien dire que je suis un homme, je suis un homme, même si tu ne veux pas de toi, regarder ta femme. C'est ça, maman. Il y a quoi de l'homme à ta mère? Donc on s'appelle à la vie, maman. Il ne faut pas jouer avec ton corps. Même la soeur, attends, il y a le monde passe avec sa compagnie. Pour qu'ils ont les tapés, là, nous ne les avons pas pour ça. Amenez à porter l'hôtel. Que la terre ne t'emporte pas avec ses compagnies. Nous devons nous soucier à venir les années titres académiques. Une autre personne pense que son avenir, c'est le titre de l'université. Sœur, dans la maison, là-bas, là, déjà, je suis diplômé. La sœur, j'ai besoin de t'épouser, je suis en médecine. En médecine. Non, c'est bien, je suis médecin. Il y a une assurance à moi. C'est ça l'assurance du mariage. Hein? Je suis psychologue, je suis psychologue. On ressentit que dans votre endroit, vous avez un diplôme, on a entendu vous besoin. Je sens bien que dans les foyers, ce n'est pas le diplôme qui te fait. Et vous en attaquez pas. Les diplômes académiques, c'est changé de texte. Ce n'est pas le titre de l'entreprise. Ce titre-là, c'est pas. Tout le monde nous a sauvé, c'est bon. Pourtant, tu vas voir que tu n'es plus joyeux. Et le fausseur, vous avez un amour pour l'ensemble. Il faut que ta soeur, tu sois entre les mains. Mais l'écriture le dit. Comme l'écriture le dit. Celle qui n'est pas mariée. De quoi moi, je suis à Paris. C'est dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. À s'inquiéter des choses du Seigneur. À lui, personne qui dit ça, dépend de ma cambancolo. Moi, s'il faut lire dans ma cambancolo, mais donc, une soeur non mariée doit beaucoup aimer les choses du Seigneur. La vie de prière, la vie de jeûne. Au moment où moi, si mon bimba a zoko et a bojéné, pas au moment à cocône. Et tu verras une chose qui le fait déjeuner parce qu'elle va maigrir. À ça, il mangeait le bouquin un jour. Il y a un jour, elle était en train de se virer. En tout cas, mes crédits, tout le monde a raconté. En tout cas, ça va me laisser côté. Regarde comment je maigris. Dans la même vie. Comment mes jours sont en train de se virer. Je veux dire, c'est la Saint-Mélique. J'ai déjà beaucoup prié. Tes amélatios aux solutions. Il faut prier jusqu'à ce que tu obtiennes la solution. Qui fait mon ligne à moi aux solutions. Jusqu'à ce que ton prochain aussi obtienne la solution. Pour tomber mon akami kumba, mon con à pas souffrir. Parce que nous supportons les uns les autres. Aux autres, la solution est ôté. Tu ne cherches pas de celle-là. Et même la solution de Naya Ngomba. Et même la solution de Naya Ngomba. Et c'est ça ta prière. C'est pourquoi vivre, c'est fait ça la vie. C'est pourquoi ta vie doit être celle de la prière. C'est très important. Les amis vont tout y accoler. Dans vos soeurs, vous en avez beaucoup ensemble. Lorsque la soeur, tu seras entre les mains de vous. Vous en avez beaucoup ensemble parce que c'est lui qui trouve une femme. Oh, y'a. Moi, je suis ici.
Là, on s'adresse à l'homme. C'est lui qui trouve une femme. Oh, il a aussi, a trouvé une. Qu'est-ce qu'il a trouvé? C'est un don. Et ça dit qu'il a reçu de la part d'un. Oh, il a su comment t'as. Cela veut dire moi si fort comme un amour. C'est-à-dire la femme doit être préparée. Il faut se dire d'abord. Parce que c'est Dieu qui va la faire ton cher frère. Nous sommes commis dans le monde. Si tu n'es pas dans sa main, moyen plus ou pas sa vie. Il n'y a pas moyen qu'il ne puisse aussi faire un don dans un bon endroit. Bon, aux attentes de l'éternel. Parce que tu es un don de l'éternel. Donc c'est la vie aux attentes qu'on a. C'est la vie que tu es dans sa main. Pour ça, le moment qu'on a, il faut avoir aussi une fille avant de se sanctifier. Que tu sois une fille. C'est son Dieu. Zambaye, bisonion soit. Le Seigneur connaît tous nos cœurs, si tel que nous sommes là. Aïe, mes frères, la table, ils sont témoignés à Zambia. Il connaît tous les frères, même si nous témoignons. Mais Zambaye, Mike, pour toi, après mariage, tu vas comprendre qu'il y a vos grands têtus dans la mariage. Il sait que ses frères, après le mariage, sera un grand têtu dans son foyer. Parce qu'il a même pas le nicolaïsme dans la chambre de terre. Parce qu'on n'a même pas le nicolaïsme dans sa chambre. Il faut en bien à moi. Tu dois être en harmonie avec ton épouse. Donc, soit ça va dans votre chambre, l'autre personne est là dans sa chambre. À son moi. Il ne parle pas avec son épouse. À gros, on a parfois 6 heures du temps à téléphone. Il peut s'entretenir 6 heures du temps au téléphone. Toujours sur la chambre. Il est très occupé dans les choses du travail. Yo, nous sommes dans les agents à partir à 22h. Ton travail, c'est toujours à 22h jusqu'à 3h du matin. Tant que le Seigneur vous a la maman, le temps que tu vas voir ton téléphone, tu es toujours là avec ton téléphone. Mais ça va être dit déjà avant. Le Seigneur me connaissait déjà avant le temps. Si tu n'étais pas dans la main de Dieu, je ne peux pas te laisser chez ses frères. Je ne sais pas si ça. Ça, ça, les Seigneurs qui sont de l'équipe. Et c'est Balaam qui avait prêché aux filles madianites pour séduire les enfants d'Israël. Comme Dieu a sa fidèle la parole. Nous l'avons dit à Dieu aussi qu'on a eu le mal. Zabaroba qui question qui bananabina mibali babali basi papaya. Veut dire que si vos fils épousent des filles étrangères, comme basi papaya, dans la fausse adoration, comme les filles étrangères sont dans la fausse adoration. Il y a kababile aussi au yama kilt na maman ya mabe. Ils mangent aussi des viandes de sacrifiés aux idoles. Bananayo peba israélite. Et tes fils aussi d'Israël. Soki babali mabe. S'ils contractent de faux mariages, appelez maman la fausse adoration. Akolia aussi ma viande sacrifiée du don. Et Akolia qui souligne ma bonté du matin à l'écoute. Il y a mon nombre 25. Et c'est ça le nombre 25. Et ça n'a qui parole de Bala. Et ça n'a qui malheureux Bala, même si ça n'a pas. Et il y a mon nombre 31 verset 7. Comme vous l'avez vu, le nombre 31 verset 7.
C'est ne plus être un physique comme ça. C'est toute une doctrine. Et donc posséder pas tout. Qui possède les hommes. Mais au moment où on a gardé la parole de Dieu. Tu pourrais voir aussi en lui la parole de Dieu. Mais ils ont fauché parole à ma place ou sous-pétérimis yamo, mais qui vrai. Qui falsifie la parole à certains endroits et l'élève comme une vérité. Yamon est basolo maqué, azotinda. À serviteur, Nanabalia va viendre sacrifier aux idoles. C'est pourquoi on dit Balaam, entraîne mes serviteurs à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Enseignement aux Ezali, non conforme à saine doctrine. Les enseignements non conformes à la saine doctrine. On va remarquer que dans cette église, vous allez remarquer que dans les sept églises, les yeux de Dieu plus étaient sur les serviteurs. Parce que Mathé, parce que ce sont des serviteurs qui s'habillent. Donc, pour mettre la vie, pour que le peuple soit en famille, il faut que les serviteurs soient d'abord. Alors, ma femme, on est à la salue. Et que ses parents doivent être en salue. La sœur aussi est visible. C'est la matière maturité.
Amen. Dans quelle nation? Faites les gens. On dit ceci. En ce temps-là, dans verset 1er, Actis, c'est dans la Bible là. C'est dans ta Bible à toi que tu portes là. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Ce n'est pas ainsi. Le nombre des disciples qui sont augmentés, mon temps avec ton esprit, mais ça, ma sœur, ma frère, ma soeur, quoi? Les soeurs, les frères qui croient à toi, mon esprit. C'est quoi, disciple déjà? Un disciple déjà. Un disciple honorine. Un disciple honorine. Vous avez moi? Est-ce que tu suis attentivement? Maintenant, parmi, parce que disciple, parce que disciple de moi, les âmes moutons, on a dit. Personne n'était
ils ont confié l'évangile terre. Et les serviteurs ne confient pas la parole, frère. Après bataille, ils ont beaucoup d'années. Textuellement protestant. Cette église a devenu une église protestante. J'ai des livres. Dans ceux qui s'en sortent. Parce qu'il y a un temps qu'on est capable de défendre. Parce que la personne qui sera capable de défendre l'enseignement ne sera pas là. Parce qu'il y a le cas, à quoi vous confiez? Parce qu'en confiant les dépenses. Un programme est grosse à l'église. Parce que pour être avoir des programmes. Un mot est grosse à la fin de programme. Parce qu'il y a là, ma carte, le frère dans ma série, ma chaîne, ma service. Mais un serviteur peut avoir aussi des frères dans les séries de chefs de service de partage. Il peut être avec vous là. Vous avez la minoma pour nous en lecture la Bible. Nous sommes avec vous seulement pour faire la lecture de la Bible. Aujourd'hui, nous commençons à faire Genèse chapitre 3. Ils ont seulement Genèse sans l'expliquer. Nous avons dit dans le chapitre 50. Dans chapitre, juste au chapitre 50. Et tous les exodes, nous prenons l'exode. Voyez maintenant les enchants, c'est d'abord la Bible. Pour connaître d'abord les parcelles des églises. Ce sont des travaux à confier. Ce sont des travaux de confier les dépôts des enseignements aux frères. Amen. Lorsque la retraite est élevée maintenant dans l'église, c'est pas ta discussion. Ce n'est même pas le débat. Ensuite, vraiment, la gage. Il a vraiment laissé le dépôt de l'enseignement. On va travailler dans l'église. Parce qu'on avait travaillé depuis longtemps. Donc, étape à vous confier ça. Dans l'étape de confier le dépôt de l'enseignement, c'est ça la parole. Il y a bon élément. Que le Seigneur Jésus-Christ apporte dans l'enrichement. Le Seigneur Jésus-Christ est dans l'enrichement. Et que la paix du Seigneur est dans la Nicolas Mayor. Et bon, mais on en sort puissant. Les grands rochers puissants. Mes amis, vos tâtes, on parce qu'aux amis, en paix, ma coquille. Je te confesse parce que tu es le Dieu de toute ta passion. Vos amis, Paul et Nassau, le Seigneur. Tu es la véritable lumière, oh Dieu. Bon, oh, ya, ouéndele, qui. Que c'est ta grâce qui est plus que tout. Vos amis, Koyo, car au sang, on est comme moi. Quand tu écoutes la prière de ma soeur.